Internautes, chers téléspectateurs, soyez les bienvenus à votre émission Parlons droits humains. Comme vous le savez, c'est une émission qui vient enrichir la grille des programmes de la Droit Libre TV. Et aujourd'hui, nous avons décidé de parler d'un thème qui intéresse la famille, les enfants. Et nous avons choisi comme thème, je cite, « Les enfants en conflit avec la loi ». Et pour décrypter ce thème combien important, nous avons le plaisir de recevoir sur notre plateau M. Mathieu Lompo. Il est le directeur de la justice juvénile. Soyez les bienvenus, M. Lompo, sur notre plateau. Oui, bonsoir. Première question, comment on peut définir l'enfant? Pour définir l'enfant, ici nous référons à la convention relative aux droits de l'enfant. L'enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Mais si nous référons à nos instruments juridiques internes, tels que le code des personnes de la famille, un enfant, un mineur, c'est toute personne qui est âgée de moins de 20 ans. Maintenant, sur le plan pénal et mineur, toute personne, donc qui, dont l'âge est compris entre 13 et 18 ans. Donc on dit qu'il est pénalement responsable parce qu'il a 13 ans, mais son jugement ne peut pas se faire s'il a commis une infraction devant donc les juridictions de droit commun parce qu'il n'a pas plus de 18 ans. Quand parle-t-on d'enfant en conflit avec la loi? Un enfant en conflit avec la loi est un enfant qui est accusé, soupçonné, ou reconnu d'avoir commis une infraction. C'est ça l'enfant en conflit avec la loi. Est-ce qu'on peut prendre un exemple concret d'un enfant en conflit avec la loi? Oui, par exemple, un enfant qui a volé et qui est interpellé donc par la police, c'est un enfant en conflit avec la loi. Voilà. Un enfant aussi qui a détourné donc de l'argent, c'est un enfant en conflit avec la loi. Un enfant qui a consommé donc de la drogue, comme cela est courant actuellement dans les écoles, voilà, on peut l'interpeller, on va dire que c'est un enfant en conflit avec la loi parce qu'il a commis une infraction. Ok, Monsieur Lompo, nous allons marquer une pause pour suivre un reportage réalisé par un reporter de la Droit Libre TV. Et ce reportage-là fait cas des enfants en conflit avec la loi sur le centre de l'Aïe. On suit tout de suite l'extrait et on revient. La prison n'est pas un lieu pour les enfants, mais que faire lorsque ces derniers sont en conflit avec la loi? C'est pour répondre à de telles problématiques que le centre de l'Aïe a vu le jour. Créé en 2004, ce centre accueille des mineurs en conflit avec la loi venus de diverses juridictions du pays. Même si ces enfants ne sont pas totalement libres à cause de certaines mesures de sécurité, ils sont loin d'être dans une prison classique. Le centre de l'Aïe est bien au contraire un centre de formation aux métiers divers. À la journée d'aujourd'hui, nous avons 52 mineurs au centre. Et les activités, ce sont des activités d'éducation et de formation. Quand on parle, par exemple, d'activités d'éducation, et il faut compter par exemple l'éducation civique, la scolarisation. Dès qu'un enfant franchit le centre, on le reçoit, on le met en confiance, on l'inscrit dans un atelier et dans les classes. Et l'enfant fait le tour des ateliers durant près de 3 mois. Et au bout des 3 mois, il choisit lui-même la filière dans laquelle il peut évoluer. Ils ont une preuve aussi très concrète que bon, ça ne demande plus à ce que je les dise trop ou soit à ce que je les parle trop parce qu'ils ont déjà la preuve avec moi. Beaucoup sont venus une fois, beaucoup connaissent où je travaille et comment j'ai organisé mes choses. Et bon, à quel niveau je suis, quoi, beaucoup le connaissent. Voilà, à base de ça même, ça suffit déjà de se redonner un espoir et croire que ça peut aller plus mieux que pour moi-même. Quoi. Voilà.
ce qu'on arrive à faire déjà est que, bon, nous, déjà, en étant ici, j'ai quelques-uns qui sont déjà partis, beaucoup même sont revenus, vont vraiment encourager. De ce qu'ils ont eu à apprendre ici, comment ça les facilite la tâche. Et d'autres même m'appellent souvent pour poser des questions sur certains points et bon, que j'arrive à les orienter aussi facilement et avec le peu qu'on a pu échanger ici. En tout cas, ça avance très bien. En tout cas, je compte ouvrir mon atelier un jour, puisque selon moi, ce que j'ai comme ville pour aller ouvrir mon atelier, c'est à Koumoussi. Mais je compte, si je sors ici, je vais partir à Ghana pour faire garage auto, puisque je vais ouvrir une garage mixte. Retour sur ce plateau à présent. Monsieur Lompo, le centre de l'AI, c'est un centre de réinsertion sociale, ce n'est pas une prison. Comment est-ce que ça fonctionne là-bas? Oui, bon, il faut dire que le centre de l'AI est un centre donc, de l'association pénitentiaire africaine qui est créé pour recevoir donc, les enfants en conflit avec la loi, mais qu'on ne voudrait pas garder au niveau donc, des prisons. Si vous allez au centre de l'AI, vous verrez qu'il n'y a pas de mur. Donc on veut que les enfants se sentent comme s'ils sont chez eux, mais la finalité, c'est juste travailler à leur réinsertion, parce que c'est ainsi la justice pour mineurs, la réinsertion des enfants. Est-ce qu'on peut avoir l'état des lieux des enfants en conflit avec la loi au Burkina? Il faut dire que de plus en plus, hein, quand même, les enfants sont concernés par les questions donc, de la justice. J'ai été donc juge des enfants pendant 5 ans, de 2014 à 2019. Et pendant ce temps que j'ai eu à passer, j'ai pu juger environ 1000 enfants. Voilà. Et nous étions deux juges des enfants. Donc c'est moi, ma chambre seulement, qui a pu juger environ 1000 enfants au cours donc de ces 5 ans. Donc ça veut dire que quand même, les enfants sont de plus en plus concernés par la question donc, de la justice. Donc ça veut dire qu'il y a plein d'enfants qui sont en infraction et qui ont des problèmes avec la justice. Justement, il y en a. Seulement maintenant, notre justice est là pour les prendre sous l'angle donc, de la justice pour mineurs. Parce que s'ils viennent, notre objectif, notre finalité, ce n'est pas donc de les jeter en prison, mais c'est de voir parmi plusieurs donc, mesures, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'ils puissent être réinsérés. Voilà. Ils sont véritablement, actuellement, ils commettent beaucoup d'infractions, souvent les plus graves, mais on fait tout pour travailler plus à leur réinsertion que de les envoyer donc dans les maisons d'arrêt. Mais vous, en tant que personne avisée, spécialiste de la justice, qu'est-ce qui explique cet état de fait qu'il y a plus d'enfants qui sont en conflit avec la loi? À qui la faute? Dire que c'est aux parents, dire que c'est la société, c'est un peu trop, mais tout à la fois, parce que de plus en plus les enfants suivent donc les films à la maison. Et je peux prendre un exemple, j'ai eu à juger donc un enfant qui suivait donc des films à la maison, les coupeurs de route. Et quand il suivait ça, il se trouvait que son papa avait une arme. Et quand ils ont suivi, après ils ont voulu mettre ça en application. Ils ont pris l'arme, ils ont remis à des majeurs pour qu'ils aillent opérer. Mais il y avait un contrat entre eux et puis ces majeurs. Si vous partez opérer, nous devons avoir quelque chose en retour. Et donc ils ont fait une semaine, ils n'ont pas eu de retour. Ils ont cru que non, les majeurs gagnaient, mais ils ne voulaient pas leur remettre quelque chose. Donc ils ont décidé d'aller avec les majeurs pour opérer. Et donc ils sont allés avec l'arme donc, de leur papa. Et quand ils trouvent donc un véhicule dans des endroits assez reculés, il l'arrête, il dit, si vous ne donnez pas l'argent, on tire sur vous. Et le jour où ils sont sortis, effectivement, ils ont eu quelque chose, mais ils ont voulu aller plus loin. Et ils sont allés donc dans une cour où ils ont véritablement violenté quelqu'un. Mais heureusement, c'était un homme de tenue qui s'y est bien pris et qui a pu donc les maîtriser. Donc vous voyez, ils ont regardé donc les films, ils ont voulu mettre donc en application
et voilà ce qui est arrivé. Donc c'est un peu ça qui favorise les choses. Et entre jeunes aussi, chacun va vouloir dire, bon voilà, moi je peux faire telle chose, toi tu ne peux pas le faire. Et c'est dans la pratique qu'ils le font. Voilà. Monsieur Dompo, d'aucuns aussi n'arrivent pas à comprendre certains aspects parce qu'ils trouvent que c'est exagéré ou c'est pas normal d'envoyer un enfant peut-être en prison ou bien l'amener dans un centre comme un centre de l'AI pour le réinsérer. Il faut dire que les enfants en conflit avec la loi, puisque la justice pour nous elle est spéciale, il est là justement pour tenir compte donc de cette incapacité donc pour le mineur à discerner, à comprendre la portée donc de ses actes. Et c'est à cause de ça qu'on dit, lorsque un enfant est pris, la priorité ce n'est pas donc de lui infliger des peines fermes pour qu'il aille donc réfléchir à la maison d'arrêt, mais chercher donc à le réinsérer. Parce que pour un enfant, si on trouve donc les conditions normales, il peut se racheter. Ce n'est pas comme une grande personne qui il sait pourquoi il a posé ce tâte, même si tu l'aides demain, il va faire. Mais pour un enfant, il a fait ça parce qu'il ignore la portée donc de ses actes. Et à cause de ça, notre pays a mis en place une justice spéciale qui voudrait qu'au moment donc d'examiner, tenir compte donc de cette minorité et envisager des mesures alternatives à l'emprisonnement ferme au lieu donc de les envoyer au niveau donc de la prison. Parlant de cette justice spéciale, quel est le dispositif adéquat qui est mis en œuvre à la justice pour prendre soin de ces enfants étant en prison? Vous savez, chez nous, il y a des juges qui sont nommés. Moi-même, je vous avais dit que j'étais juge donc, des enfants. De sorte que si ce sont donc les enfants qui ont commis une infraction, arrivés, eh bien, il y a un travail d'enquête sociale, donc il y a les travailleurs sociaux qui sont là. Un travail d'enquête sociale qui va permettre donc de savoir qu'est-ce qui a pu favoriser donc la commission donc de cette infraction, qu'est-ce qui peut être fait pour pouvoir ramener donc cet enfant sur les rails comme on aime donc l'expliquer. Et avec l'ensemble donc de ces éléments, le dossier est envoyé devant le juge des enfants. Et le juge des enfants aussi, sur la base donc des dispositions légales, notamment par exemple l'article 77 donc de la loi 15-2014 portant protection de l'enfant en conflit avec la loi, on a cité un ensemble donc de mesures. On dit, si l'enfant est arrivé, il faut essayer de voir si tu peux le gronder en termes de mots et ne pas l'envoyer en prison. Si ce n'est pas le cas, si les parents sont intéressés à l'enfant, il faut essayer de voir si tu peux le remettre donc à ses parents. Voilà, et leur dire de veiller pour que l'enfant ne retombe plus dedans. Si ce n'est pas le cas, envisager de trouver un centre qui a des activités telles que la menuiserie, la couture et bien d'autres choses, essayer de l'envoyer là-bas pour qu'il puisse travailler et ressortir, être inséré donc dans la société. Donc il y a une panoplie donc de mesures qui sont prévues auxquelles le juge est appelé donc à examiner au cas par cas pour voir ce qui va être appliqué. Voilà des réponses claires qui vont certainement aider les internautes, les téléspectateurs à comprendre un certain nombre de choses. Mais Monsieur Lompo, permettez-nous, on va marquer juste une pause pour essayer de nous intéresser aux réactions des internautes. Et tout à l'heure également, on va revenir sur ce plateau pour vous permettre aussi de réagir sur les commentaires des différents intervenants. Je m'en vais tout de suite lire d'abord la question. Et quel est votre avis? Un adolescent de 15 ans, bien connu dans le quartier, a été pris en flagrant délit de vol d'une moto chez les voisins. D'ailleurs, il a par le passé été impliqué dans plusieurs autres délits et actes de vandalisme. Malgré son jeune âge, sera-t-il bien de l'envoyer en prison en espérant que ça lui serve de leçon? En d'autres termes, est-ce qu'il faut l'arrêter et l'envoyer en justice pour qu'il soit jugé? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Au cas où il sera jugé, est-ce qu'il faut le condamner à une peine d'emprisonnement ferme ou faut-il envisager des décisions de réinsertion sociale? Je m'en vais à présent lire les réactions des internautes, M. Lompo. Il y a Seydou Sankara qui a réagi.
Pour ma part, c'est parce que les premiers délits n'ont pas été corrigés qu'il est devenu aujourd'hui voleur de moto. Si toutefois il ne répond pas devant la justice, demain il va cambrioler une banque. Pour son jeune âge, il y a la justice pour les mineurs. Il y a également Ebenezer Ouedraogo qui a réagi. Si on le récompense pour avoir volé, comment saura-t-il que ce qu'il a fait n'est pas bon? Même s'il lui faut un suivi, il a besoin de savoir que chaque acte posé a des conséquences et qu'il faut assumer. L'aider autrement, oui, mais la punition est obligatoire. Il y a également Ouedraogo Caroline Pascal Magloire qui a réagi. À mon humble avis, il conviendra à l'issue du jugement de préconiser la réinsertion sociale, car on risque de le rendre plus délinquant s'il va en prison et côtoie les grands délinquants. En plus, un suivi psychologique est nécessaire pour mieux le comprendre. Voilà quelques réactions des internautes. Merci en tout cas aux différents téléspectateurs, internautes qui ont réagi. Mais déjà, est-ce que vous avez quelque chose à dire concernant ces commentaires? Oui, par rapport donc à ces commentaires, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certains qui pensent que c'est un mineur, il faut l'accompagner. Certains pensent qu'il faut l'interpeller, mais il faut quand même lui accorder donc, le bénéfice donc, de la justice pour mineurs. Par contre, d'autres pensent que c'est parce qu'il n'a pas été sanctionné pour le premier cas qu'il commet et donc il n'y a pas lieu donc de le laisser, il faut le sanctionner. Ce que je peux dire pour ceux donc qui pensent que c'est un mineur et qu'il faut envisager donc des mesures de réinsertion, et d'autres qui pensent que il faut l'interpeller mais il faut le faire bénéficier donc de la justice pour mineurs, en tant qu'acteur donc, de la protection donc, de l'enfant, je suis déjà satisfait. Ça montre qu'à quelque part, que les gens savent que lorsque c'est un mineur, c'est une justice qui est à part. C'est déjà un très grand pas, de mon point de vue. Maintenant, ceux qui pensent que non, c'est parce qu'il n'a pas été sanctionné, et c'est pour ça qu'il continue de le faire, et que si on ne s'y prend pas, il risque d'être juste donc, de braquer les banques. Il faut dire que selon le cas, il ne peut pas être considéré d'abord comme étant un récidiviste. Parce que pour être récidiviste, il faut avoir déjà été condamné par la justice, une décision. Donc le fait d'interpeller les gens par la police, de le relâcher, ou bien si c'est le quartier qui dit qu'il a commis plusieurs types de vols, on ne le considère pas comme un récidiviste. Mais ce n'est pas une condition pour ne pas l'interpeller. Mais nous, la justice, si on l'interpelle, ce n'est pas pour fondamentalement le condamner. La justice voudrait même que on puisse monter un dossier, une enquête sociale, qui puisse comprendre pourquoi est-ce qu'il a commis ce type d'acte. Quel est son milieu? Est-ce qu'il n'est pas influencé? Est-ce qu'il n'est pas délaissé? Est-ce qu'il n'y a pas un problème familial qui fait que véritablement il pose des actes de ce genre? Et à partir donc de ce moment, le juge va prendre donc des mesures qui vont aller dans le sens de sa réinsertion. Ça peut être donc dans un centre, ça peut être la remise à une personne de confiance, ça peut être la remise dans une famille d'accueil. Voilà un peu ce qui peut être fait pour ce type d'enfant. Donc leur réaction, on comprend, mais de façon générale, je pense que on sent que quand même, on reconnaît aux enfants une justice qui a pas, qui n'est pas celle donc des majeur. C'est ça la satisfaction. Monsieur Lompo, est-ce que de façon concrète, il y a des enfants en prison? Oui, il y a des enfants en prison. Il faut dire que lorsque un enfant est âgé de 13 ans, il a la responsabilité pénale. De sorte que s'il commet une infraction, on peut l'arrêter et l'envoyer en prison. Et il y a les enfants qui sont en prison pour certains types d'infractions. C'est-à-dire quand on dit qu'ils sont en prison, c'est pour dire que le juge même a rendu une décision les condamnant à des peines d'emprisonnement fermes. Ils sont placés dans les maisons d'arrêt parce que les faits sont suffisamment graves. Je prends des cas, les cas de viol collectif. Vous allez voir des mineurs de 15 ans, 16 ans qui se regroupent pour violer leurs camarades de classe de 15 ans. Bon, souvent, ce sont des faits suffisamment graves. De sorte que quand ça vient devant le juge,
ce n'est pas assez aisé, malgré cette spécialité donc de la justice pour nos mineurs, qu'on puisse passer outre. Donc souvent, on décourage ce type donc d'actes-là. Mais la particularité, c'est que même s'ils sont condamnés à des peines d'emprisonnement fermes et qui sont au niveau donc des maisons d'arrêt, il y a ce qu'on appelle les quartiers pour mineurs. Donc, ils ne se mêlent pas au quartier des majeurs. Et leurs conditions de vie sont quand même suffisamment mieux que les conditions donc de vie des majeurs. À vous entendre parler, de plus en plus, les enfants commettent des dégâts, des dérives, et ils sont tout le temps en conflit avec la loi. Mais qui est responsable? Est-ce qu'on peut rejeter la faute sur les parents? Chez nous, là, au niveau donc de la justice, quand on est en infraction donc avec la loi, on ne cherche plus à jeter la responsabilité sur telle ou telle personne, mais seulement le père est appelé en garantie pour l'exécution de la décision. Si par exemple le cas donc de la moto, si le juge déclare le mineur coupable, il reconnaît que c'est lui qui a volé, la moto n'est plus là, on peut évaluer la valeur, on va dire que c'est 400 000 francs, on va dire qu'on le condamne à payer la moto donc d'une valeur de 400 000 francs, mais on va plus loin en disant on appelle son papa en garantie pour l'exécution donc de la décision. Donc, pénalement, c'est les enfants qui sont responsables. Mais civilement, c'est le civilement responsable, c'est-à-dire ses parents qui viennent pour réparer le préjudice qui résulte donc de la commission de l'infraction. Au vu de la finalité, en envoyant l'enfant en justice, c'est pour le réinsérer socialement, l'aider à changer de comportement pour adopter de meilleurs comportements. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'il y a des chiffres ou des études qui montrent que nous sommes sur la bonne voie? Oui, il y en a. Je prends par exemple le cas de la médiation pénale, parce que en réalité, notre système judiciaire veut que l'enfant n'aille même pas dans le système judiciaire. S'il a commis une infraction, s'il n'a pas tiré sur quelqu'un, s'il n'a pas violenté, commis des vols avec violence, et qu'il le reconnaît les faits, et qu'on est prêt à réparer donc le préjudice, eh bien, on peut lui dire que c'est interdit, il ne faut pas le faire. Voilà, on repart le préjudice et il repart. Donc, Terre des Hommes, Lausanne, c'est une ONG ici, en collaboration avec le ministère de la Justice, a mis en place un système qui a favorisé donc la prise en compte de l'intérêt de l'enfant avec la médiation pénale. Et donc, quand on a mis en place ce système à Ouaga et à Bobo, en 2 ans, on a pu retirer au moins 100 enfants de ces situations. Et Terre des Hommes, ce qui est intéressant, accompagne même ces enfants-là à pouvoir s'installer. Donc, c'est déjà quelque chose qui est très bien. Le centre de live dont vous parlez, j'ai personnellement donc été là-bas, dans le cadre donc de mes recherches, en plus du fait que j'étais juge donc des enfants. J'ai vu donc des enfants, selon leur parcours, qui ont eu des résultats extraordinaires. Voilà, et qui ont même pu poursuivre leurs études jusqu'à aller à l'université et même à l'étranger. Donc, c'est des cas palpables qui montrent que nous sommes réellement sur la voie. Et aujourd'hui, notre justice est même allée encore beaucoup plus pour renforcer la question donc des mineurs en permettant que désormais, les juges des enfants prennent les décisions avec d'autres acteurs qu'on appelle les assesseurs, qui sont des professionnels et de la protection de l'enfant, mais qui ne sont pas des magistrats professionnels. Parce qu'on pense que pour un enfant, il faut un ensemble donc de spécialistes pour prendre en compte ses intérêts lorsqu'il est impliqué dans les procédures judiciaires. Donc moi, je crois que nous sommes sur la bonne voie. Mais est-ce que souvent on n'assiste pas au revers de la médaille? Est-ce que le fait contraire ne se produit pas? En fait, tout dépend. Moi, particulièrement, lorsque j'étais juge des enfants, j'avais une façon de faire. Lorsque je prends, donc, je vais juger donc un enfant avec lequel donc les parents ont manifesté un intérêt certain, c'est-à-dire suivre la procédure pour voir ça à quel niveau, c'est quel jour on va juger donc l'enfant. Ils sont prêts à dire, mais nous-mêmes, on va s'impliquer encore pour assurer l'éducation de cet enfant. Moi, je les mettais donc au défi de me faire la preuve qu'effectivement, ils peuvent le faire. Le plus souvent, ce sont des élèves. Si tu sais que tu vas repartir à l'école, travailler sereinement, me produit tes résultats à la fin de chaque trimestre pour que je sache que tu as
tu es prêt à changer, là je veux prendre une décision qui va te remettre à tes parents. Mais si tu sors, tu ne fais pas ce que j'ai dit, je vais revenir sur ma décision. Parce que la loi permet que pour les enfants, on revienne sur les décisions en fonction de la situation de l'enfant. Tout ça, ça aussi sont des mesures de protection. Donc, j'ai eu à faire ça à plusieurs reprises et j'ai dit, le travail social, vous suivez. Chaque trimestre, il faut venir me déposer ton attestation pour que je vois qu'est-ce que tu as eu. Et à chaque fois que moi j'ai fait ça, j'ai eu de très bons résultats. Il y a aussi une autre méthode que moi j'aimais beaucoup, c'est le travail d'intérêt général pour les enfants. Mais là, il faut qu'ils aient au moins 16 ans. Donc, à chaque fois que moi je trouvais un enfant qui avait 16 ans et que les faits n'étaient pas suffisamment graves, moi je prononçais les décisions de travail d'intérêt général. Et j'ai dit, bon, tu peux aller dans une structure juste pour prendre le courrier, juste pour balayer à côté, et à midi, tu repars à la maison pendant un mois, juste pour que tu comprennes que ce que tu as fait, ce n'est pas bien. Donc, il ne faut plus faire ça. Et ça également, j'ai eu de très bons résultats. Voilà. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir ici. Merci d'être passé sur notre plateau. Ok, merci. Chers internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien d'aujourd'hui. Je rappelle juste que j'étais en compagnie de M. Mathieu Lompo. Il est le directeur de la justice juvénile. Vous pouvez réagir en commentaire et par le biais de l'adresse qui s'affiche sur votre écran. Au revoir et à très prochainement pour une nouvelle émission.